Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. 23 morts, c'est le dernier bilan de l'accident survenu hier à Dubreka. La victime se rendait à un mariage. Retour sur ce drame qui a plongé toute la Guinée dans la douleur et la consternation. Et puis des jeunes Guinéens rapatriés de la Libye, parmi eux 12 filles. Une première dans cette opération, une structure d'accueil a été installée pour mes premiers soins et mesures d'urgence. Enfin, c'est parti pour la caravane de lecture dénommé le Livre en Marche, un projet qui entend faire participer les étudiants guinéens à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette édition. Nous nous excusons pour ce retard et dépendant de notre volonté. Tout d'abord, ce communiqué du bureau de presse de la présidence. 7 mai 2017, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, félicite le président Emmanuel Macron suite à son élection à la magistrature suprême de la République française, s'exprimant en sa double qualité de chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine. Le professeur Alpha Condé veut que ce nouveau vent qui souffle sur la France puisse permettre de raffermir les excellents lieux d'amitié et de coopération existants sérieusement entre la France et la Guinée d'une part et le continent africain d'autre part. Le président guinéen s'est dit convaincu que ces relations de coopération iront en se renforçant sous le magistère du président Macron. Le bureau de presse de la présidence. Vous l'avez compris donc, présidentielle en France à 39 ans, Emmanuel Macron est le 8e président de la 5e République. Il a engrangé un score sans appel de 65,5% contre 34,5% pour la candidate du Front National, Marine Le Pen, et devient ainsi le plus jeune locataire du palais de l'Élysée. Nous vous l'annoncions hier, un grave accident de la circulation s'est produit du côté des Tercets au centre urbain de Dubreka. 23 morts et des blessés graves, c'est le dernier bilan de cet accident. Les victimes se rendaient à un mariage lorsque leur véhicule, un minibus, a percuté un camion transportant du sable. La Croix-Rouge de Dubreka et les autorités étaient encore ce matin au chevet des rescapés. Retour sur ce drame qui a plongé tout un peuple dans la douleur et la consternation avec Aboubacar Camara. Elle a 15 ans et vient d'échapper à la mort. Ce matin, pendant qu'elle retrouve ses esprits, Mariam pleure la fin tragique de ses soeurs et cousines. Avec certains de ses frères escapés de l'accident de Yorokobia, Mariam est terrifiée. Le bilan encore provisoire est lourd. On a eu 18 morts sur place. Ceux-ci, on les a drainés à l'hôpital préfectoral. À l'hôpital préfectoral, avec les blessés graves, il y a eu 3 encore décès. Donc ça fait 21 victimes. Ensuite, quand on a évacué les malades, 2 sont morts. Un dans le véhicule, l'autre à Conakry. Jusqu'à ce matin-là, c'est les informations qu'on a. 23 morts et une trentaine de blessés. Dubreka seul ne pouvait pas faire face à cette tragédie. On a évacué, on avait reçu 4 ambulances, 2 de Dubreka et 2 de la Croix-Rouge à partir de Conakry. La première évacuation, la plus grave, il y avait 3. Deuxième évacuation, 2. Et les 2 autres évacuations, 8 éléments sur Conakry. C'est peu après 14h30 dans la petite bourgade de Yorokogia que ce drame s'est produit. La violence de la collision a réduit les chances de vie de 52 passagers à bord de ce minibus. Des jeunes âgés de 15 à 19 ans à peine, qui étaient déjà dans la fièvre d'une fête de mariage au village. Ce camion venait des carrières de sable de Tanené. Quant au minibus, il était rempli de passagers, dont certains étaient perchés dessus. Il roulait à vive allure. Quand nous avions entendu un grand bruit, oui, nous avons vu des gens dégringoler, comme si on venait d'ouvrir un sac de mangue. Toute la chaussée était noire de monde. Le camion est parti se loger de l'autre côté de la rue. On pouvait à peine secourir les victimes qui ne pouvaient même pas se mouvoir. Le tronçon du Dubreka Tanené enregistre souvent des cas d'accident. Mais à Yorokogia, la mémoire collective n'a pas souvenance qu'un drame routier ait fait autant de victimes.
Nous nous excusons pour ce désagrément en début d'édition, indépendant de notre volonté. Justement, par rapport à cet accident, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu au chevet des blessés admis à l'hôpital Ignace Tina. Sana Sikita, du bureau de presse de la présidence. Sur place, 25 morts et une trentaine de blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce samedi, 6 avril 2017 à Yorokogia, une localité de la préfecture de Dubreka. Très touché par ce triste accident de la route, le président de la République arrive à l'hôpital national Ignace Tina. Ici, Professeur Alpha Condé est en compagnie de plusieurs personnalités pour mieux s'imprégner des circonstances de ce tragique accident de la circulation, mais aussi et surtout exprimer sa compassion aux familles éplorées et également sa solidarité à ses nombreux blessés, ici à l'ité. Partout dans ces salles d'urgence de l'hôpital national Ignace Dine, le chef de l'État est passé saluer tous ses blessés. Des blessés qui se sentent fortement réjouis de ce soutien fort qui vient leur apporter le président Alpha Condé. Ici, le chef de l'État, entouré des parents des victimes, a dénoncé le comportement néfaste des passagers et chauffeurs qui tous acceptent le surchargement des véhicules. Professeur Alpha Condé les a appelés surtout à ne pas céder à ces genres de comportements qui, sans nul doute, sont parfois à l'origine des accidents graves. Le président de la République, avant de quitter cet hôpital, a encore exprimé toutes ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et promis surtout de faire toute la lumière sur cet accident. Douleur et consternation du côté de Kabaka, plus précisément à Doulaya, c'est tout un village qui est sous le choc. Des familles entières ont été décimées lors de la cérémonie d'inhumation. L'émotion était grande. Les 23 victimes du drame de Dubreka viennent toutes du même village. Vous allez le voir dans ce reportage, certaines dames parmi ces victimes ont laissé derrière elles des enfants de moins d'une année. Images et témoignages, Alpha Issia Gaba, Adama Traoré, Abdoulaye Ngelande Diallo. Youlaya est la sous-préfecture de Kabak. Depuis plus de 24 heures, les esprits sont au recueillement. Cette mosquée cristallise la douleur de tout un village. Depuis hier nuit, les victimes de la tragédie de Dubreka sont reçues au cri d'Allahu Akbar, en signe de résignation et de foi. Encore cet après-midi, Youlaya reçoit 3 nouvelles dépouilles de ses fils. Ce sont les dernières victimes de l'accident à succomber de leurs blessures. Des corps qui viennent alourdir le bilan de l'accident. Sur l'île, difficile de consoler les familles. Les parents sont touchés dans leur âme. Cet homme, par exemple, a perdu 5 membres de sa famille. Pour toujours, les morts de la tragédie de Yorokogia se reposent au milieu de ces arbres. Tous, à l'exception du chauffeur du minibus et son apprenti dont les corps sont rendus à leur famille à Conakry. Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, est venu exprimer sa consternation et témoigner de la solidarité de la nation. Le chef de l'État a demandé à cette délégation conduite par les hauts représentants du gouvernement pour venir vous présenter ses condoléances, les condoléances du gouvernement et les condoléances de la Guinée, de tous les Guinéens, puisque comme je le disais tout à l'heure, ce malheur est un malheur que nous partageons tous. Et le gouvernement ici présent
est venu témoigner tout son soutien et rappeler encore une fois la nécessité de prendre garde sur les comportements à risque au niveau de la sécurité routière. Nous sommes ici pour vous témoigner toute notre compassion par rapport à ces tristes événements. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que les dispositions sont en train d'être prises pour réduire les accidents sur nos routes. Le chef de l'État, tout à l'heure, en me demandant de conduire personnellement cette délégation, m'a dit qu'il prendra des dispositions très prochainement afin de réduire les risques d'accidents sur nos routes pour préserver la vie de nos populations. Dans le même état d'esprit, le chef de file de l'opposition est venu témoigner de sa compassion aux familles des victimes. J'ai dit personnellement qu'il était important de venir jusqu'ici, présenter mes condoléances à la population et aussi marquer ma solidarité et prier le Tout-Puissant Allah avec les nombreux musulmans qui sont là pour que ceux qui sont morts à la suite de cet accident tragique soient accueillis par le Tout-Puissant dans son paradis éternel. Ces trois bébés parmi les rescapés de l'accident sont également là pour sécher les larmes de désespoir des Yulaya. Ces deux filles et un garçon ont miraculeusement survécu au drame de là où leurs mamans ont succombé. Ce qui rappelle à tous l'un des mystères du Créateur, celui envers qui est ramené un jour. Dans le reste de l'actualité, sensibilisation des populations de Pamlab sur la libre circulation des personnes et des biens. L'opération se déroule à la frontière guinéo-léonaise. C'est une initiative des députés guinéens au Parlement de la CEDEAO. Les règlements sous-régionaux sur le flux migratoire étaient au centre de cette campagne. Moussa Bangoura, Ali Akita. Le poste frontalier de Pamlab. C'est ici où Guinéens et Léonais se sont donné rendez-vous pour une sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens. Conduite par les députés guinéens au Parlement de la CEDEAO, il était question d'expliquer aux populations frontalières les règlements sous-régionaux en la matière. C'est une des frontières très très fréquentées et nous savons les trois droits de tous les citoyens au niveau de la CEDEAO doivent être respectés pour que ces droits soient respectés et par les citoyens de la Sierra Leone et par les citoyens de la Guinée pendant la traversée. Donc ces trois droits sont quoi ? D'abord, le droit de se déplacer à l'intérieur de la CEDEAO, le droit de résider et le droit de s'établir. Cette campagne de sensibilisation est bien perçue par les responsables communautaires ainsi que les hommes en tenue. Tous s'engagent à faire respecter les textes réglementaires en faveur de l'intégration économique et sociale des communautés. Nous sommes dans un contexte un peu difficile. Par exemple, quand on dit de faciliter, n'est-ce pas, la libre circulation et de sécuriser, on dit facilitation et sécurisation, ce n'est pas chose facile. Mais avec la vigilance, ça se passe très très bien. Et heureusement, selon le constat que la délégation vient de faire, par exemple, c'est une des raisons pour dire que la douane guinéenne a été épargnée. Cela dénote que la douane guinéenne est en train de faire son travail. Nous aussi, nous prenons les dispositions, nous contrôlons librement les gens et on les laisse passer. Nous sommes très satisfaits d'avoir été félicités. L'implantation de cette plaque témoigne une fois de plus de la volonté de ces députés à respecter les accords sur la libre circulation des personnes et leurs biens signés entre les États membres de la CEDEAO depuis 1975. Dans les contreforts du Fouta Jalon, installation d'une brigade spéciale d'intervention rapide à Mamoun, c'est dans le cadre de la réforme et de la modernisation de l'administration douanière en Guinée. Cette brigade a pour mission de sécuriser les frontières et contrôler les marchandises. Thierno Ousmane Diallo nous signe ce reportage.
Face aux nouveaux défis de la mondialisation dans le développement des échanges commerciaux, la douane guinéenne s'adapte et renforce son dispositif de lutte contre la fraude. La brigade spéciale d'intervention rapide fraîchement créée va permettre de combattre efficacement toutes sortes de trafics illicites en accentuant les efforts sur le contrôle orienté. Cette brigade a pour mission d'exercer le contrôle sur les voyageurs, les marchandises et les moyens de transport qui franchissent les frontières terrestres, maritimes et fluviales et qui circulent à l'intérieur du territoire douanier. Basés à Mamou, dans le quartier Serré, les agents de cette brigade spéciale de la douane vont pouvoir intervenir partout à travers le pays où le besoin se fera ressentir. Deux véhicules tout-terrain et 10 motos sont mis à leur disposition. Mais avant, ils ont suivi une formation spéciale financée grâce au soutien de l'Union européenne à travers le 10e Fonds européen de développement dans le cadre du programme d'appui à la réforme des finances publiques. La levée des barrières douanières et le transfert d'une fiscalité de porte vers une fiscalité intérieure exige un dispositif de surveillance apte à mettre en œuvre des contrôles modernes axés sur le ciblage et l'exploitation du renseignement. La création de cette brigade n'est que le premier acte d'un vaste plan de modernisation de cette nouvelle branche d'activité. Son positionnement stratégique et le professionnalisme des agents qui pourront, en synergie avec les services de renseignement, mettre en œuvre des contrôles ciblés, devraient déclencher une nouvelle dynamique dans l'action de la douane, jusqu'à maintenant fortement articulée autour de l'activité commerciale. Pour les opérateurs économiques et autorités administratives, l'installation de cette brigade est bien accueillie. Aujourd'hui, les 40% de ressources attendues des services de douane à mobiliser au titre de la loi de finances 2017 pourraient être atteints et voire dépassés. Car nous avons eu, avec le concours de nos partenaires de l'Union européenne, à renforcer le capital humain, à travailler sur l'organisation de notre dispositif administratif et nous sommes en train de renforcer le capital institutionnel. La brigade spéciale d'intervention rapide va travailler étroitement avec la division de recherche, d'analyse du risque et d'orientation du contrôle, la DRAROC. Une autre division créée dans le cadre de la modernisation des douanes en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens en toute sécurité. Célébration du 72e anniversaire de la victoire de la Russie sur le fascisme. L'événement est célébré en différé à l'ambassadeur de Russie en Guinée aux côtés des Russes, les membres de la coalition anti-hitlérienne, officiers de l'armée et membres du gouvernement. Fatima Toudialo était de la partie. Voici ce reportage. Le 9 mai 1945 marque la victoire des peuples sur le fascisme et le nazisme. 72 ans après, l'on se souvient de ce grand conflit appelé guerre patriotique. Selon les historiens, cette guerre de 4 ans a fait plus de 26 millions de victimes en Union soviétique. Depuis, le 9 mai est devenu une date symbole de l'unité de la Russie et de son peuple. Nos pères et nos grands-pères ont vaincu l'ennemi fort et impitoyable, devant lequel ont reculé et ont planché beaucoup d'autres pays. Aux côtés de la représentation diplomatique de la Fédération de Russie en Guinée, quelques alliés de la coalition anti-hitlérienne sont venus commémorer cette page de l'histoire russe. C'était une journée très importante pour le monde. Nous avons un monde qui est un peu tiré, un pays contre l'autre, et nous devions tous souvenir que tout au centre de ça, il faut que nous cherchions tout la paix. Vêtus du tricolore russe, ces élèves de l'école de l'ambassade de la Fédération de Russie ont chanté et esquivé des pas de danse à la gloire des martyrs de la guerre patriotique. Dans l'actualité également, des jeunes Guinéens rapatriés de la Libye tentaient de franchir les barrières de sécurité pour se retrouver en Europe. Ils ont été arrêtés et ramenés à Conakry, parmi eux 12 filles. Une première depuis le début des opérations. Qu'à cela ne tienne, des dispositifs sécuritaires et alimentaires ont été mis en place pour accueillir nos compatriotes. Le point avec Mohamed Lamine Camara.
Cette compagnie aérienne est à son quatrième atterrissage sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia depuis le début de cette année. À bord, 165 Guinéens rapatriés de la Libye. Après avoir échoué à leur tentative d'immigration clandestine, ces retournés volontaires rentrent au pays. Moi, je bougeais ici depuis le 3 novembre, mais la route, c'est très dur. Par exemple, moi, on a raté de me vendre à partir de Sabah d'abord. Mais je me suis pied et sapé. Mais depuis là-bas, quand même, ce n'est que des difficultés. Des mesures alimentaires, sécuritaires et d'identification ont favorisé la réussite de cette opération de rapatriement. Ce, à travers une collaboration entre l'Organisation internationale des migrations et le gouvernement. OIM vous a facilité la tâche pour avoir ce retour volontaire. Et on va aussi essayer de vous payer les transports secondaires dans vos zones finales, vos destinations finales. Aujourd'hui, une grande surprise, il y a près de 12 femmes. Jamais on a reçu dans le groupe des migrants des femmes. Jamais. C'est la première fois. Le gouvernement met à disposition, à travers les départements, les affaires sociales, qui s'apprêtent tout de suite à prendre ceux qui sont malades, n'est-ce pas, en charge, ceux qui sont handicapés. Après l'aéroport, des dispositions sont prises pour le transport de ces jeunes rapatriés pour le centre d'accueil de Matam. La Croix-Rouge guinéenne fête ce 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, thème retenu cette année partout pour tous. Le saviez-vous? En prélude à cette journée, le président de la Croix-Rouge guinéenne a fait une déclaration. Elle est commentée par Safren Tenenkoulibaly et Adia Toubari. Créée en 1984, la mission de la Croix-Rouge guinéenne est d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables. Avec ses partenaires, elle s'implique aussi dans la prévention et la résolution des crises humanitaires. Pour son 33e anniversaire, la Croix-Rouge guinéenne met l'accent sur le thème « Partout pour tous, le saviez-vous ?» Ce thème, le mouvement Croix-Rouge entend réitérer aux populations, qu'elles soient urbaines ou en milieu rural, que sa raison d'être est de rendre les communautés saines et sûres. Réduire leur vulnérabilité, renforcer leur résilience, en encourageant une culture de paix durable dans le monde entier. Avec plus de 17 000 volontaires, la Croix-Rouge guinéenne a des réseaux actifs sur toute l'étendue du territoire national. L'assistance aux réfugiés et personnes déplacées, la gestion des épidémies, les premiers secours sont entre autres activités menées par cette organisation. Pour prévenir les conflits et les catastrophes, la Croix-Rouge compte accroître ses capacités opérationnelles. Durant les 154 années d'existence de notre mouvement, la nature des conflits, des catastrophes, des crises sanitaires, alimentaires, etc. a évolué, nous imposant ainsi les nouveaux enjeux pour l'action humanitaire. La Croix-Rouge guinéenne a besoin de vous tous pour être efficient dans ses projets de résilience et de développement communautaire. Plus efficace dans les opérations, afin d'être toujours plus performant dans son rôle complémentaire d'auxiliaire des pouvoirs publics. À l'occasion de ce 33e anniversaire, la Croix-Rouge réaffirme son engagement auprès du gouvernement guinéen. Elle entend s'investir davantage aux côtés des populations vulnérables. Une mission de la Fondation PROSMI était récemment dans les préfectures de Yomou et de Lola. C'était pour se rassurer de l'utilisation efficace des unités de production et de commercialisation du riz étuvé. Des unités offertes aux survivants d'Ebola par la Première Dame avec un appui du programme des Nations Unies pour le Développement. Ali Badra Kondé, reportage. 4 mois après la remise officielle des unités de production et de commercialisation du riz étuvé aux survivants d'Ebola de la région forestière, les émissaires de la Fondation PROSMI de la Première Dame de la République, Adja Djené Kondé, en partenariat avec le PNUD, effectuent une mission de supervision et d'évaluation. Première étape, la préfecture de Yomou, située à plus de 1000 km de la capitale. Nous voulons que Madame la Première Dame vienne encore en aide plus fort que ce que nous avons encore pour le moment, de nous faire acheter un bas-fond et aménager très bien
pour qu'on puisse travailler à chaque fin d'année. Et la machine, c'est fonctionnel, ça fonctionne à chaque moment. Nous sommes très contents de recevoir la proximité à Yomo. Ceux qui ont souffert de cette maladie, vraiment, vous leur venez en aide, c'est un grand coup de soulagement pour nous. De Yomo, direction Lula. Ici, depuis l'installation de la décortiqueuse, plus de 5000 sacs de riz padi ont été décortiqués. Pour la pérennisation de notre ONG, je parle ainsi. Nous, nous voulons ainsi qu'à l'avenir, que nous ayons à mesure de faire l'élevage des porcs. Ensuite, puisque le riz qu'on étuve, le riz qu'on pile, on peut gagner la nourriture des porcs à travers les riz et le riz étuvé. Et ça, ça va nous aider un peu. Cette évaluation nous a permis de dégager les points forts et les points faibles, mais également de définir ensemble avec tous les autres partenaires, je veux parler des autorités préfectorales et communales, les perspectives de la pérennisation de ce projet. À travers ce projet, Hadja Djenné Kondé entend participer à l'amélioration des conditions de vie des survivants d'Ebola dans le pays profond. Agroalimentaire, avec cette coopération qui commence à porter fruit dans la commercialisation de la pâte d'arachide, une entreprise dirigée par une dame excelle dans ce sens, Mariam Cissé et Fils. C'est le nom de la PME. Pour booster sa production, elle organise une série de formations pour ses employés. Elle est assurée par un expert hollandais. Explication Alpha Siagaba, Nabi Kamara. Depuis plus de 10 jours, cet expert hollandais apporte son savoir-faire à l'établissement Mariam Cissé et Fils. C'est dans le cadre d'une visite qui s'inscrit dans la redynamisation et le bon fonctionnement à long terme de cette entreprise. Elle va permettre à cette femme entrepreneur de bénéficier de nouvelles connaissances de base sur la bonne gestion de son entreprise spécialisée dans la production de la pâte d'arachide. Je suis en Guinée. Aider les usines, les entreprises de Guinée. Je suis envoyé par le gouvernement hollandais. Cette fondation, le nom est POUM, et on a choisi moi parce que j'ai d'expérience avec des beurres de cacahuète. L'expert est venu, nous a montré le savoir-faire européen. Parce que nous, on ne savait pas qu'on pouvait faire de l'arachide, du chocolat et autre chose. Mais grâce à la venue de l'expert, nous avons su tout ça. Agréé en 2001, l'établissement Mariam Cissé et Fils emploie plus de 20 travailleuses et produit environ 600 litres d'huile d'arachide par jour. Avec cet expert hollandais, son personnel va disposer de nouvelles expériences. Avec l'arrivée de cet expert, j'ai eu beaucoup d'expérience. Nous les femmes, nous devons bien apprendre. Cette formation m'a permis de savoir que nous pouvons transformer la pâte d'arachide. Cela fait 3 ans que je travaille ici et depuis j'ai acquis beaucoup de choses. Maintenant, j'ai moins de problèmes. Je suis très contente de cette entreprise. Financé par Afriland First Bank, cet établissement continue d'attirer de nombreux jeunes de la ville de Conakry. Il fournit à l'armée guinéenne près de 2000 bidons de pâte d'arachide par mois et assiste une trentaine de groupements féminins en Haute-Guinée. Grande mobilisation à Tindo, préfecture de Farana. Le forum de Tindo a ouvert ses portes au rythme de la tradition ancestrale. Les participants venus de partout dans le monde se sont penchés sur les questions de développement de la localité. Reportage à Tindo, Mamadi Gassama. À 10 km de la préfecture de Farana, la sous-préfecture de Tindo, c'est ici que se tient la 4e édition du Grand Forum de Sankara. Le rendez-vous est annuel. Il est principalement consacré à faire une auto-évaluation sur le fonctionnement des différentes localités du Sankara. Cette année, l'événement est placé sous le signe de la paix et de l'unité nationale. Merci beaucoup l'initiative. Puisque rien ne peut se faire sans le développement, sans l'unité, sans la paix.
Mais ce que je peux dire aux fils de Sankara, à tous Sankara, puisqu'il y a Sankara qu'on est, il y a Sankara Moularou, donc de se donner la main pour qu'il y ait le développement dans Sankara. Que nous voulons être un pays émergent, il faudrait la paix, il faudrait la compréhension, il faudrait l'entente entre nous. Plus de combien de districts, combien de secteurs, tout le monde est là, la main dans la main, en synergie. Merci au président, merci au président de l'Assemblée nationale, merci à toutes les personnes ressources qui ont accepté d'être là aujourd'hui. Durant 3 jours, la sous-préfecture de Tindo va vibrer au rythme des cultures traditionnelles du Sankara. Les fils du terroir vont se pencher d'abord sur ce qui a été fait l'année dernière, quels ont été les acquis. Et maintenant, pour le forum actuel que nous vivons aujourd'hui à Tindo, qu'est-ce que Tindo a comme problème? Qu'est-ce que les districts de Tindo ont comme difficulté? Et c'est face à cela, les dons qui seront là et l'argent que les fils du terroir même ont réuni, c'est ce qui va être là pour faire en sorte que le développement puisse aller dans les communautés, c'est-à-dire à la base, comme l'a toujours souhaité le professeur Alpha Condé. Kappa sur Norasoba, c'est dans la préfecture de Sigiri où on a célébré hier les 90 ans de la création de la toute première école primaire dans cette localité. À cet effet, une stèle a été érigée au nom du premier enseignant de cette école, Elhadj Mamadi Cissé. Hadi Camara, Alassane Tonton Camara, envoyé spécial. Cette stèle érigée ici porte le nom du premier enseignant de l'école primaire de Norasoba, Mamadi Cissé, à l'occasion de la commémoration du 90e anniversaire de la création de cet établissement scolaire. Je passais ma première nuit dans le petit vestibule de l'enseignement qui abrita les premiers élèves en 1927. En l'absence du directeur de l'école, M. Mahmoud Patrice, c'est M. Diallo Sis qui m'accueillait et me présenta à l'école. 2 ans plus tard, je fus nommé directeur, le 10e depuis la création de l'école. L'œuvre est réalisée par les fils de Norasoba. Ici, les invités à la cérémonie ont tous mis l'accent sur la nécessité de promouvoir et de développer les activités scolaires dans la localité. Une école qui a 90 ans, c'est parce qu'il y a eu un entretien derrière, c'est parce qu'il y a une stratégie pour que l'école demeure. Et aujourd'hui, cela se dénote dans les résultats que cette école a donnés. 140 fonctionnaires, n'est-ce pas, de la République, deux ministres dans le gouvernement actuel, des généraux, des chefs de cabinet, des directeurs. Et je pense que si cette école n'avait pas existé, cela n'aurait pas donné ce résultat qu'on escompte aujourd'hui. Le développement d'un pays, l'avenir d'un pays, c'est les jeunes. Et qui parle de jeunesse, parle d'école, source de formation, d'éducation des enfants. Donc source de préparation de l'avenir du pays. Cette école que nous célébrons aujourd'hui, le 90e anniversaire, est un symbole. Au-delà de son caractère festif, la rencontre autour des valeurs de la mare de Norasoba se veut désormais un creuset de réflexion en vue de réaliser des projets qui vont dans le sens du développement de Kolonkala. En plus bref, la fête de la mare de Norasoba s'est déroulée ce matin en présence du ministre des Travaux publics et autres autorités locales. L'objectif est de faire connaître la localité, promouvoir son patrimoine culturel à travers des activités de pêche et la visite de certains sites. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envoyés spéciaux. C'est parti pour la caravane de lecture dénommée Les Livres en Marche. C'est une initiative du ministère de la Culture, un projet qui implique davantage les élèves étudiants dans l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, et compte donner goût à la lecture, mais surtout éveiller les nouveaux talents cachés. Les talents cachés, une pièce de théâtre intitulée Les Châteaux de Ruel était au rendez-vous et raconte la vie d'un jeune Guinéen du nom de Samba à Paris. Diamo Kaba pour en savoir davantage. Les Livres en Marche, un projet phare de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Cette opération consiste à améliorer la circulation des livres dans les écoles
et encourager la lecture chez les élèves. Nous avons pour ambition aujourd'hui de créer, surtout de susciter en cette jeunesse scolaire et universitaire l'amour pour la lecture, l'amour pour la littérature, bref, l'amour pour le livre. Pour ce faire, comme le dit bien l'adage, si la Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. C'est vrai que nous flétrissons le fait que la jeunesse de plus en plus se détourne de la lecture, mais nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait nous-mêmes pour que la lecture soit attractive pour le jeune, pour que la lecture soit attrayante pour le jeune. Sur cet espace bucolique, une pièce de théâtre sous le château de la Ruelle. Une comédie qui raconte la vie d'un jeune Guinéen, Samba, qui décide d'aller en France pour épouser sa belle-sœur Clémentine après la mort de son frère aîné. Une comédie où le ministre de la Culture, Siaka Barry, entre en scène. Il porte le nom de Nyakoi et joue le rôle de poète. Une œuvre dramatique qui expose les conséquences de l'immigration. Donc l'idée c'est de partir de l'extrême pour vraiment sensibiliser les gens parce que l'un des facteurs majeurs qui fait que nos jeunes prennent la route, c'est le mensonge. Ceux qui sont là-bas, ils ne disent pas à ceux qui sont ici ce qu'ils vivent réellement et ils les font rêver. Aujourd'hui, il y a un phénomène même qui s'ajoute à cela, ce sont les réseaux sociaux. Prendre des photos, toujours en train de s'amuser, toujours bien habillés, mais ils ne nous disent jamais où ils vivent réellement. Ce projet va sillonner plusieurs écoles et universités de la capitale. Il compte expliquer aux jeunes que pour garantir l'avenir du livre en Guinée, ils doivent apprendre à écrire et à lire en public. Vous l'avez compris, les châteaux de la Ruelle racontent la vie d'un jeune Guinéen du nom de Samba à Paris. Sport, foot, après Bokeh, la mission de la Ligue professionnelle de football était sur les sites sportifs de Koya, Kindia, Mamou et Labé, composés de topographes et des experts marocains. La mission consiste à faire l'étude du sol et de l'emplacement des sites. Abdulaziz Baldé, Abdul Karifa, Keita, envoyé spéciaux. C'est une mission qui suscite beaucoup d'espoir chez les fans de Cuiron. Deux mois après la mise en place de la nouvelle Ligue guinéenne de football, les initiatives ne manquent pas. La revalorisation des infrastructures sportives et l'amélioration des conditions d'organisation des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 sont entre autres défis que se fixe le nouveau bureau. Partout dans les stades visités, comme Dubreka, Koya, Kindia et Mamou, des experts marocains et des géomètres guinéens font l'étude du sol et les levées topographiques. D'où l'enthousiasme de ces futurs bénéficiaires. La population de Koya, c'est une population sportive. Imaginez le match Koya fois Roréa. Malgré que l'équipe de Roréa est une équipe de première division, il y a eu plus de 7 millions de commandes de recettes ici. C'est pour vous dire que c'est une population qui attend sérieusement le football, qui aime le football. Tout est fait prêt à Koya pour vous recevoir, pour que nous avons un bon terrain digne de nous. C'est une surprise agréable. Vous avez dû constater l'état de nos infrastructures qui sont complètement délabrées. Donc l'arrivée de cette mission nous satisfait à plus d'un titre. J'avoue que tous les jours, on a au moins 2 à 3 enfants qui se fracturent dans ce stade. Respectivement construit vers les années 98 et 2000, le stade de l'Amitié de Kamsar et celui de Saifoulaye Diallo de l'Abbé retiennent l'attention des visiteurs. Répondant aux normes internationales, ces deux plateformes sportives ont juste besoin de quelques travaux d'assainissement pour abriter des grandes compétitions. Kamsar et l'Abbé, il y a déjà une infrastructure qui existe, qui est dans l'ensemble assez bien. Ça va nécessiter quelques réaménagements pour pouvoir abriter une pelouse synthétique qui correspond à ces deux stades dans les plus brefs délais, on va dire. L'ambition est de doter 12 stades du gazon synthétique en faveur des préfectures qui abritent les clubs de la Ligue 1 et Ligue 2. Une promesse du chef de l'État que le nouveau bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football veut mettre en œuvre dans un proche avenir. Depuis 1990, le gouvernement guinéen a décidé de faire de la jeunesse, des sports et de la culture une dynamique qui permet de se servir du sport et de la culture pour faire l'insertion économique des jeunes. Si avant
L'objectif était de faire du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Aujourd'hui, on veut aller au-delà de cela pour que l'État ne pouvant pas tout faire, le secteur privé puisse s'investir dans le domaine de la, des sports et de la culture pour insérer les jeunes. Pour clore ce journal, retour sur ce communiqué, de presse, c'est retour il y a 7 mai 2017. Le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, félicite le président Emmanuel Macron suite à son élection à la magistrature suprême de la République française, s'exprimant en sa double qualité de chef de l'État guinéen et président en exercice de l'Union africaine. Le professeur Alpha Condé veut que ce nouveau vent qui souffle sur la France puisse permettre de raffermir les excellents liens d'amitié et de coopération existants heureusement entre la France et la Guinée d'une part et le continent africain d'autre part. Le président guinéen s'est dit convaincu que ces relations de coopération iront en se renforçant sous le magistère du président Macron, le bureau de presse de la présidence. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À bientôt, Inch'Allah.